Bonjour. Dans le livre de Un roi au chapitre 6, on trouve une assez longue description de ce qu'était l'architecture du temple de Salomon. Le temple que Salomon, le fils de David, a fait construire pour l'Éternel. En relisant ce livre de la Bible, j'ai d'abord passé assez rapidement ce passage parce que, bon, j'ai du mal à me repérer dans l'espace en règle générale et donc à imaginer le temple pendant ma lecture. Et puis aussi, j'étais pressée de passer toute cette description un peu longue pour retourner à la narration. Parce que ce qui m'intéressait d'abord, c'était l'histoire vraiment des rois d'Israël. Mais finalement, en voyant que cette description prenait tout un chapitre, je me suis dit que si c'était là, c'était peut-être pas pour rien. Et j'ai pris le temps de relire cette description en me documentant, en cherchant des images, en essayant de comprendre les proportions et en essayant même de regarder des vidéos de reconstitution du temple pour avoir une idée un peu plus claire de ce à quoi pouvait ressembler ce temple de Salomon. Salomon va effectivement passer 7 ans, 7 ans à construire ce temple. Chaque élément de construction, de décoration va être minutieusement pensé et réfléchi. En fait, ce que veut Salomon, c'est vraiment le meilleur, c'est le plus beau, c'est presque représenter la perfection de la création à travers un bâtiment humain. C'est en fait un temple qui ne soit non pas digne de recevoir Dieu, parce qu'aucun bâtiment humain ne saurait l'être, mais c'est un bâtiment qui se veut être le plus digne possible. Salomon, en fait, veut faire le mieux possible pour l'Éternel. Et lorsque le temple est construit, une fois que toute la construction est achevée, Salomon va inaugurer ce temple et mettre à l'intérieur l'arche sainte, celle qui est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Je vous lis un passage du chapitre 8, plusieurs petits passages qui sont relatifs à l'inauguration du temple. Alors le roi Salomon rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Un peu plus loin, lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, qui étaient convoqués, vers lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Verset 10. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité, et moi j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Plus loin au verset 20, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée, je me suis élevé à la place de mon père David et me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai construit cette maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un endroit pour le coffre qui contient l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Salomon sait qu'un simple bâtiment, aussi majestueux soit-il, ne saurait contenir le Dieu créateur de l'univers, infiniment grand, infiniment puissant. Mais il veut en fait à la hauteur de ce qu'il peut accomplir, offrir un lieu digne de recevoir son Dieu. Un lieu où Dieu puisse régner, recevoir les honneurs. Un endroit qui témoigne non pas de la grandeur de Dieu, on ne peut pas montrer ça, mais un endroit qui témoigne de l'importance que Dieu a dans sa vie. Alors nous savons que notre alliance avec Dieu n'est pas seulement matérialisée par l'arche. Non, maintenant notre alliance avec Dieu, elle est accomplie à la croix, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous pouvons maintenant, et c'est une telle grâce, nous pouvons accéder à Dieu dans notre quotidien, partout où nous sommes, par le biais de la prière notamment. Et Dieu, dans son immense sainteté, accepte de nous faire l'honneur de sa présence chaque jour.
Eh bien, plus besoin de temple, donc. Plus besoin de temps de réflexion, de temps de précaution, de temps d'honneur, de temps de pensée. Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon Dieu? Comment lui construire un temple agréable alors? Plus besoin de penser à tout ça? Plus besoin d'un endroit propre et beau où Dieu pourrait se sentir honoré? Eh bien, bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que moi, je n'ai pas d'arche à ranger dans un temple, mais j'ai quelque chose de tout aussi magnifique. J'ai reçu l'Esprit Saint en acceptant Jésus comme le sauveur de ma vie. On va lire ensemble deux passages qui proclament cette promesse que le Saint-Esprit vient vivre en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 d'abord. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et au chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit Saint a été déposé en moi, comme un trésor, comme une arche d'alliance. Dieu a déposé une partie de lui-même en moi. Il a déposé son esprit dans ma vie. Avant même que j'aie eu le temps de lui construire un temple magnifique, avant même que j'aie eu le temps d'honorer sa présence en construisant quelque chose, il est venu habiter en moi. Alors c'est un honneur extrême, bien sûr, mais c'est aussi une extraordinaire responsabilité, très grande responsabilité, parce que c'est à moi de faire de ma vie un temple comme le temple de Salomon. Est-ce que j'ai envie de laisser l'Esprit de Dieu cohabiter en moi avec des pensées tellement pas chouettes, de colère, de jalousie, de péché? Est-ce que je vais laisser Dieu habiter un cœur et un corps bidonville? Ou est-ce que j'ai envie de lui construire avec persévérance quelque chose de beau, un endroit qui soit pas parfait, mais un endroit qui soit le meilleur que moi je puisse donner? Parce que mon cœur est un sanctuaire à l'Éternel. Ma vie est un sanctuaire à l'Éternel. Mon corps lui-même est un sanctuaire pour l'Éternel. Alors ma question aujourd'hui pour toi, c'est quelle partie de ton temple construis-tu pour l'instant? Où en es-tu dans ta construction, dans ton édifice? Peut-être que tu as rencontré Dieu depuis peu de temps et que tu es en train de construire des fondations solides sur lesquelles tu vas pouvoir construire ton temple. Et peut-être que ça fait longtemps que tu construis ce temple. Si c'est le cas, peut-être que tu es en train de réfléchir à quels ornements magnifiques tu vas utiliser pour parachever la décoration de ton lieu saint, un endroit où Dieu aime rester. Par contre, si aujourd'hui tu te rends compte que tu as cessé les travaux, vraiment, je t'encourage et encourageons-nous les uns les autres à vite les reprendre. Parce que Salomon met 7 ans pour construire son temple, mais moi et toi, nous n'aurons pas assez d'une vie pour construire le nôtre. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui regarde de l'extérieur la construction en attendant que tout soit terminé et puis qui râle parce que les artisans ne sont pas dans les délais qui étaient prévus dans le contrat. Il est le Dieu qui nous aide dans les travaux, qui nous encourage quand nous sommes fatigués, qui se réjouit avec nous de ce qui est déjà restauré et surtout qui partage la vie de château, qui habite avec nous. Alors comme Salomon, j'ai envie de proclamer aujourd'hui, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Amen. Bonne construction, les amis.